Qu'est-ce que le lead management ? Quand on parle de lead management dans le domaine de la gestion de projet, on se réfère à une méthode de management. Elle propose une organisation du travail qui vise à rendre la production plus efficace pour faire baisser les coûts et mieux satisfaire le client. Cette méthode s'est construite sur quatre piliers. Une vision à long terme qui met parfois de côté les objectifs financiers à court terme, une amélioration constante des processus, un épanouissement des salariés et une résolution constante des problèmes. Quels sont les outils du Lean Management ? Les outils du Lean Management sont les suivants. La production en flux tiré et pièce par pièce pour se rendre compte immédiatement d'où viennent les problèmes. Le lissage de la production, c'est-à-dire donner aux salariés exactement la même charge de travail tout le temps. La standardisation des tâches, le contrôle des pièces par des personnes, le recours à des méthodes et des techniques qui ont fait leur preuve, la formation des responsables et des équipes, l'ascension professionnelle des meilleurs éléments et le respect des fournisseurs et des partenaires. Mais surtout, le Lean Management se distingue par sa pratique de terrain. Les responsables vont voir directement sur place où sont les problèmes et ils prennent des décisions de manière collective et consensuelle. Pour finir, cette méthode de management pratique l'autocritique constante pour s'améliorer en continu. Quels sont les avantages et les inconvénients du Lean Management ? Parmi les avantages du Lean Management, on peut citer la réduction des coûts et donc l'augmentation des bénéfices, mais aussi une meilleure satisfaction client et une meilleure compétitivité pour l'entreprise. Par contre, le Lean Management n'est pas adapté à certaines productions, comme les séries temporaires ou les produits non répétitifs. Mais surtout, c'est une méthode délicate à instaurer, particulièrement en ce qui concerne la valorisation des salariés ou la prise de décision collective. Mal mise en place, elle peut devenir contre-productive.